Méditation du 2 juillet. Écoutez les instructions. Mais celui qui m'écoute dormira en paix. Il n'aura pas à craindre le malheur. Proverbe 1, le verset 33 dans la version Bible des peuples. Dans le chapitre 1 du livre des Proverbes, la sagesse apparaît personnifiée, criant dans les rues, nous invitant à nous détourner de la folie. Après avoir défini la sagesse comme la crainte de l'Éternel, Salomon nous invite à choisir et à bien choisir. Vivrons-nous dans le respect de Dieu ou vivrons-nous dans la folie ? Que choisissez-vous ? Dieu vous guide et vous montre le bon chemin, mais le choix vous appartient. Suivez-vous ses instructions ou choisissez-vous votre propre voie ? Une fois, ma fille aînée conduisait et devait traverser un carrefour à double sens. Mais la voiture qui la précédait n'avançant pas, elle s'est impatientée. Je lui ai fait remarquer qu'il s'agissait d'une voiture d'auto-école et que l'élève suivait les instructions de son moniteur. Et je lui ai rappelé son propre manque d'expérience au moment où je lui avais appris à conduire. La vie chrétienne est similaire. Nous suivons la voie du Maître, même si elle semble parfois ne pas avoir de sens pour nous. C'est dans ce processus d'obéissance au Maître que nous apprenons. C'est l'obéissance à sa parole qui permet de vivre avec confiance et sans peur. Je vous supplie au nom du Christ de marcher dans la lumière. Soumettez votre volonté à celle de Dieu. Restez dans les sentiers du Seigneur, car il n'y a point de paix pour le transgresseur. Votre mauvaise conduite jetterait la honte sur vos parents et le déshonneur sur la religion du Christ. Souvenez-vous que votre vie est décrite dans les livres du ciel et que tout l'univers en prendra connaissance. Pensez à l'opprobre et au remords qui vous attendraient si vous aviez le malheur de perdre la vie éternelle. Tournez-vous pour écouter mes réprimandes. Voici, je répandrai sur vous mon esprit. Je vous ferai connaître mes paroles. Proverbe 1, le verset 23 dans la version Louis II. Mon frère, ma sœur, si vous ne profitez pas de ces précieux moments de la miséricorde divine, vous serez sans excuse. Si vous ne vous efforcez pas de vous réveiller, si vous ne faites pas preuve de zèle dans la repentance, le temps passera rapidement et vous serez trouvé trop léger dans la balance céleste. Alors vos cris angoissés ne serviront à rien. À vous s'appliqueront les paroles du Seigneur. Puisque j'appelle et que vous résistez, puisque j'étends ma main et que personne n'y prend garde, puisque vous rejetez tous mes conseils et que vous n'aimez pas mes réprimandes, moi aussi, je rirai quand vous serez dans le malheur. Je me moquerai quand la terreur vous saisira comme une tempête et que le malheur vous enveloppera comme un tourbillon, quand la détresse et l'angoisse fondront sur vous. Alors ils m'appelleront et je ne répondrai pas. Ils me chercheront et ils ne me trouveront pas. Parce qu'ils ont haï la science et qu'ils n'ont pas choisi la crainte de l'Éternel. Parce qu'ils n'ont point aimé mes conseils et qu'ils ont dédaigné toutes mes réprimandes. Ils se nourriront du fruit de leur voix et ils se rassasiront de leurs propres conseils. Car la résistance des stupides les tue et la sécurité des insensés les perd. Mais celui qui m'écoute reposera avec assurance. Il vivra tranquille et sans craindre aucun mal. Proverbe 1, les versets 24 à 33 dans la version Louis II. La seule voie qui vous donne la confiance et la paix et qui élimine toute peur est la voie de l'obéissance. Bonne journée et que l'Éternel vous bénisse.